Hello everybody, welcome to this 23rd webinar. Sorry, it was time to start and we have started on time. 23rd webinar export talk. We are pleased to have finished the first series of our webinars, having 1,500 participants for these 23 events. And so we thank you for your confidence for attending our webinar. You saw a lot of things about exports, and we wanted to show a very important institution, very important services, which are the services of Credendo, which help you to finance yourself, to finance your client, and to guarantee the payment, international payment, which is why you export. You export to be paid and to develop your business. And Credendo are the partners to get financed and to get paid and to ensure the risk of having bad clients or issues with political risks. So I will let the floor to two specialists, a business developer at Credendo, Mireille Janssens and Alicia. First, I will let the floor to Mireille, and then we will have Alicia Eleonora. Mireille, I will let you share your screen to present how it works internationally and how Credendo helps supports company in their business. Alors, premier petit test d'abord pour voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche. Et alors, est-ce que vous le voyez en mode présentation? Oui. Alors là, on doit repasser dans les display settings là et aller nous remettre en… Voilà. C'est le bon que vous avez? Impeccable, on est parti. On est parti. Voilà, donc dans toute cette série de présentation que vous avez pu ou voir ou éventuellement revoir puisqu'elles sont enregistrées, on va tout simplement dire que Credendo, c'est last but not least, un outil indispensable effectivement pour pouvoir exporter. Alors, je voudrais d'abord vous présenter en quelques mots le groupe Credendo, savoir ce qu'on fait. Mais j'ai aussi l'intention de vous présenter les autres instruments pour un peu voir, bon, l'assurance crédit, c'est un côté, oui, mais moi, je suis petit exportateur et je veux savoir quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour pouvoir effectivement me couvrir de mes risques, pour pouvoir être sûr de, in fine, exporter et bien dormir. Et puis aussi à offrir des produits sexy qui sont aujourd'hui des outils indispensables dont on parle très souvent, c'est le financement. Donc, le groupe Credendo, une dernière chose. Ensuite, Alicia viendra plus précisément sur les produits tels qu'il faut les utiliser chez Credendo. Donc là, ce sera une partie un petit peu plus technique pour voir comment on peut y arriver. Donc, le groupe Credendo, c'est un groupe, effectivement, puisque nous avons la maison mère qui est Credendo Export Credit Agency, donc l'agence à l'exportation, qui travaille avec la garantie de l'État belge et qui, par contre, doit suivre les règles de l'OCDE. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, ce qu'on peut y faire, c'est très intéressant. Est-ce que, Laurent, je peux te demander peut-être de couper ton micro, parce que j'entends ton tic-tic de ton clavier. Merci. Voilà. Donc, Credendo va fournir quoi? Fournir des solutions d'assurance. Hein, donc, vraiment, je paye une prime et je suis assurée. Mais des formules aussi de garantie, du cautionnement, du financement, de la réassurance. Vous allez dire, ouh là 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 là, ça devient déjà un peu technique. Ça concerne les entreprises, les banques et aussi en fait les compagnies d'assurance. Alors, on va essayer d'être très focus sur qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise qui exporte, je peux avoir comme outil. Ne vous inquiétez pas. Donc, quelles sont nos valeurs? On veut être absolument proche de nos clients, respecter
pour qu'il nous fasse confiance, respecter sa manière de faire son business et être un partenaire tout à fait fiable. En quelques chiffres, qui c'est Credendo? Donc, je vous ai parlé d'un groupe. Donc, on a effectivement une maison mère qui s'appelle Export Credit Agency et puis toutes des filiales qui fonctionnent, elles, sur le marché privé. Elles vont faire de l'assurance crédit aussi, mais chaque fois de manière différente parce que ce sont pour des produits différents, ce sont des règles du jeu qui seront différentes, mais là, ce seront principalement plutôt des règles de marché. On existe depuis 100 ans. Youpi, c'est cette année-ci qu'on fête nos 100 ans. Pas si facile encore pour fêter, mais on va finir par le faire. Et voilà, beaucoup, donc on parle de 84 milliards de transactions couvertes en 2020. Donc c'est beaucoup. Mais là-dedans, vous avez des transactions de 10 000 euros, de 50 000 euros, de 200 000 euros. Ne vous inquiétez pas, tout ça est possible. On s'adresse aussi bien aux petites entreprises qu'aux grandes entreprises. Effectivement, comme on est étalé maintenant sur 15 pays, donc de côté export, pour tous les pays dans le monde, effectivement, ça représente un gros, gros volume de transactions qui peuvent être couvertes. D'où l'intérêt, évidemment, de connaître l'outil. Alors, je voudrais d'abord commencer par le commencement. Quand vous êtes exportateur, quels sont les risques que vous avez dans vos transactions à l'international? Ces risques, elles peuvent arriver avant même d'avoir signé un contrat. Là, je suis désolée, on ne saura rien faire pour vous. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Il faut toujours un contrat. Donc, je dis souvent, tape-tape dans la main, c'est bien, mais là, vous êtes uniquement basé sur la confiance. Une fois que vous avez un contrat, un bon de commande signé, hein, vous pouvez vous dire, bon, qu'est-ce qui peut arriver? Votre acheteur peut annuler le contrat, peut faire faillite ou simplement disparaître. Ensuite, dans la ligne du temps, vous avez toutes les étapes avant la livraison des marchandises. C'est très schématique, hein. Évidemment, il y a 36 cas de figure différents. Mais donc, avant la livraison, qu'est-ce qui peut se passer? Vous n'avez pas de moyen de livrer. Votre livraison est rendue impossible par des faits de guerre, par des catastrophes naturelles, ou bien ils sont livrés dans le port mais ne sont pas réceptionnés par votre client. Donc, ce sont aussi des risques. Et puis ensuite, une fois que vous avez facturé votre acheteur, quels sont les risques? C'est qu'il ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de payer, il ne sait plus payer, il est incapable de payer ou il ne n'a pas les moyens. Il a peut-être des événements aussi politiques qui font qu'il ne peut pas payer. Mais dans tous ces cas, vous savez qu'une seule transaction à payer peut mettre toute une société en péril. Le gros inconvénient quand on n'est pas payé, c'est que ce n'est pas uniquement la marge bénéficiaire qu'on perd. On peut perdre bien plus que ça. Donc, on peut perdre tout le montant d'une facture et vous devez quand même payer vos fournisseurs avec tous les risques d'effets domino négatifs que ça peut entraîner. Alors, j'ai une petite statistique qui est assez intéressante pour dire comment les entreprises belges, elles se couvrent contre ce risque de non-paiement. Et on a comparé la totalité, donc quels sont les différents outils que l'on utilise, et en particulier aussi les grands exportateurs. Et donc, de manière générale, on travaille à 30% avec des garanties bancaires, sachant que les grands exportateurs, un petit peu moins, 28%. C'est pas très flagrant comme différence. En paiement par acompte avant la livraison, c'est marrant, les grands exportateurs utilisent ça beaucoup plus que de manière générale. C'est un peu la force d'être grand, probablement. Et donc, 25% utilisent effectivement les acomptes pour pouvoir se couvrir. Ensuite, il y a tout ce qui est ceux qui ne se couvrent rien dans le risque de non-paiement. 24% en général, 17% seulement dans les grands exportateurs. Alors, c'est marrant parce qu'on se dit les grands exportateurs prennent moins de risques. Ils ont peut-être plus la capacité, mais quelque part, ils risquent gros aussi. Donc, ils connaissent probablement plus les moyens de se faire couvrir. Alors, vous avez tout ce qui est crédit documentaire, hein, les lettres de crédit, 17% seulement de manière générale, beaucoup les grands exportateurs, 33%. L'assurance crédit, que 17%,
C'est un produit qui est un petit peu plus méconnu. C'est pas si facile à utiliser. Enfin, en fait, il faut l'avoir pratiqué pour pouvoir l'utiliser. Par contre, les grands exportateurs l'utilisent à 26%. Et après, on est sur le divers. Donc, voilà, je trouvais que c'était une statistique intéressante à partager pour voir un peu comment se comportent les autres entreprises dans ce milieu du risque de non-paiement. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter les risques à l'international en général? Je vais essayer de vous brosser les quelques produits les plus utilisés. Il y a tout ce qui est évidemment paiement anticipé, que j'ai regroupé avec les paiements au comptant, on va voir juste après. Toute la matière des lettres de crédit, sans rentrer dans le technique, hein, on va juste voir en soi comment se positionner par rapport à ça. Les garanties de manière générale, et alors effectivement, on est là pour l'assurance crédit, et ça, on vous détaillera un petit peu plus. Alors, pour tout ce qui est paiement anticipé, évidemment, si on se fait payer 100% d'acompte à la commande, c'est une situation idéale. C'est évidemment pas très commercial. Vous savez peut-être le faire fonctionner une fois, deux fois, peut-être pas plus. Voilà, on va jamais évidemment dire que ce n'est pas une bonne chose. On va parler aussi de oui, je peux me faire payer 100% avant la livraison. Souvent, hein, vous avez votre acheteur qui va dire OK, je te paye un acompte de 30%, mais le reste, tu l'auras juste avant de livrer. Oui, mais vous avez toujours cette période entre les deux qui est un risque que l'on appelle le risque d'annulation du contrat. Et il faut voir dans quelle mesure les coûts que vous avez eus avant de vous pouvoir facturer, si dans quelle mesure est-ce que vous savez vivre avec ça. Donc, si vous me dites, oui, mais enfin, j'ai ma marchandise, donc moi, tant que je n'ai pas livré, j'ai tout chez moi. C'est vrai, c'est vrai. Si vous êtes dans la production standard d'équipement, très bien. Au pire, votre client dit, je n'en veux plus, il disparaît. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez votre marchandise et vous pouvez la revendre. Attention, si vous êtes dans du spécifique, si vous avez fait des plans d'architecture bien spécifiques sur commande pour votre client, vous allez travailler des heures et vous n'allez peut-être pas savoir le réutiliser après. Donc, simplement, analyse du risque. Et alors, le paiement au fur et à mesure de l'exécution du contrat, il y a deux questions à se poser. C'est est-ce que j'ai la possibilité d'arrêter mon exécution? Donc, je me fais payer au fur et à mesure, donc tous les mois, par exemple, et je fais les prestations. Je dis, ah, je ne suis pas payé. Ah j'arrête de travailler. Tant que vous ne m'avez pas payé, je ne continue pas. Donc, il faut voir dans quelle mesure c'est possible pour vous d'arrêter, quelles sont les conséquences. Mais effectivement, comme ça, il y a moyen de travailler hors risque, voire de manière avec un risque limité. Mon avis là-dessus, c'est qu'il faut bien analyser ces risques, hein. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Il faut regarder le pays dans lequel vous travaillez, la contrepartie, les produits, les échéances. Et on peut adapter effectivement les termes de paiement au profil de risque. L'avantage, c'est que c'est basé uniquement sur des négociations commerciales. Vous êtes seul maître à bord ici. Et donc, vous n'avez pas des coûts externes avec une banque ou d'autres outils. Ensuite, je vais vous parler des lettres de crédit sans rentrer dans le côté technique du crédit documentaire. C'est un outil qui est beaucoup utilisé donc dans le commerce extérieur, qui a comme gros avantage, c'est que votre risque n'est plus sur votre acheteur, mais sur sa banque. Sur la banque locale qui a ouvert la lettre de crédit. C'est une sorte de crédit que cette banque a fait à votre client, à votre acheteur, votre client. Super. Si vous connaissez cette banque, tant mieux. Si vous avez suffisamment d'éléments pour vous dire que ça vaut quelque chose, c'est très bien. Le meilleur moyen pour le savoir, parce que dans certains pays, c'est pas toujours évident de savoir si la banque a tel, ça vaut quelque chose, c'est de poser la question à votre banquier. Demandez à votre propre banquier, qu'est-ce que vous pensez de la Banque d'Algérie, qui a ouvert la lettre de crédit maintenant pour mon client? Et une manière de faire, c'est de faire confirmer cette lettre de crédit. Donc, ça veut dire que vous allez déplacer encore une fois le risque, non plus sur cette banque locale, mais carrément sur votre banque ici en Belgique. Donc, vous allez neutraliser le problème du risque pays
mais en même temps celui de la banque. Donc, très intéressant. Voilà, c'est sur base donc des documents que la banque va être obligée de payer, la banque locale et ensuite votre banque si vous avez une confirmation de la lettre de crédit aussi. Ça existe sous forme de SBLC, donc Standby Letter of Credit aussi pour tout ce qui est récurrent. Et dans ce cas-là, ben, c'est un peu le principe d'un crédit revolving où vous pouvez continuer à demander. Le risque en fin de compte, et donc pareil pour les dettes avalisées, je vais directement passer sur mon avis. Le risque en fin de compte dans ce genre d'outils, ben, c'est un, ben, c'est qui est ma banque locale? Ben, dans certains pays d'Afrique, il y a des banques qui valent moins qu'une entreprise, hein, qui ont des fonds propres de 2, 3 millions d'euros. Donc, ben, à se poser la question, est-ce que ça vaut quelque chose? Et votre banque risque de dire, je ne veux pas confirmer cette lettre de crédit, c'est-à-dire, je ne veux pas prendre le risque de cette banque. Donc, là, il faut quand même se poser la question, est-ce que je suis pas mieux de travailler en direct, tout simplement, avec mon client, plutôt qu'avec cette banque qui, sur lesquels je n'ai aucune prise et voilà. Donc oui, il faut vérifier la qualité de la banque étrangère, hein, voir si votre banque veut bien prendre ce risque, hein, déjà dans le pays, déjà sur la banque, mais à la fois aussi sur le montant et sur la durée. Parfois tout n'est parfois simplement qu'une question de montant. Attention au coût. Votre client va pas aimer ouvrir la lettre de crédit parce que le coût est pour lui. Et donc, la négociation va peut-être se faire là. C'est pour ça qu'ils demandent souvent à ouvrir les lettres de crédit le plus tard possible, parce que au plus longtemps elle est ouverte, au plus ça lui coûte. Oui, Attention aussi aux d'ailleurs, documents. Oui, attention aussi. Mireille, j'ai une Oui. question sur le coût de la lettre de crédit. Ça se calcule comment? C'est une fonction du montant de Oui, il y a. c'est un pourcentage. C'est un pourcentage, donc c'est bien. Ça va être question du montant. Alors forcément du pays, puisque le taux que va offrir la banque étrangère, ben, ça va être fonction des taux qui sont dans son pays aussi. Et donc tout est un petit peu lié aussi à ça. Donc OK. voilà. Donc Donc un c'est au coût. cas par cas qui le coût de la lettre de crédit est connu quand on est sur cette phase. À ce moment-là, il y a l'outil et à ce moment-là, on connaît les conditions qui peuvent être offertes à la transaction suivant son montant et le pays considéré et la banque qui sera à l'intermédiaire. Exactement, exactement. Alors, c'est vrai que dans un même pays, les banques vont pratiquer les mêmes taux, mais si vous êtes au Congo qui veut ouvrir une lettre de crédit, bah, déjà, ça ne va pas être facile. Je ne suis pas sûre qu'ils utilisent ça tellement. Mais le taux, donc, est bien pour l'acheteur. C'est lui qui va auprès de sa banque ouvrir la lettre de crédit. Donc, c'est lui qui va avoir ce taux. Et c'est là que ça va être assez élevé parce qu'il est dans du taux local. OK, c'est D'où ça. la négociation avec le vendeur, hein, le petit exportateur belge qui se dit, bon, ben, ça va, moi je lui laisse tout les coûts de son côté, mais ben, en soi, ça va rentrer dans la négociation. S'il peut ne pas avoir à mettre de lettre de crédit, ça va bien l'arranger, parce que pour lui, c'est OK. un coût en moins. Donc la confirmation, par contre, elle est bien pour l'exportateur, puisque c'est l'exportateur qui veut, lui, se conforter dans le risque en prenant, enfin, il le fait prendre par sa propre banque. Et donc là, va lui compter aussi donc il y a deux coûts, un pour l'acheteur et un pour le vendeur après. Et le coût pour le vendeur est aussi proportionnel au risque, j'imagine, Au du risque-prix. pays considéré, au risque pris. OK. OK, merci. Et donc, avec l'outil de la lettre de crédit, donc effectivement, le coût est réparti différemment, mais il y a aussi toujours ce risque le risque d'une lettre de crédit, c'est qu'elle ne s'ouvre pas. Donc, si je signe un contrat au jour 1 et que le client me dit oui, mais je vais demander à ma banque d'ouvrir et je m'engage à demander à ma banque d'ouvrir la lettre de crédit juste un mois avant la livraison, donc au mois 3. Ben, au début du contrat, qu'est-ce que vous allez faire? Éventuellement, vous avez un acompte, ça c'est peut-être bien, mais vous allez commencer à travailler, à faire l'exécution du contrat. Et donc,
Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, c'est que la lettre de crédit ne s'ouvre pas. Et donc là, vous n'avez aucun moyen pour la faire ouvrir, puisque c'est l'outil de l'acheteur. Donc, en général, si on veut être vraiment safe avec une lettre de crédit, on demande à ce qu'elle soit ouverte à l'entrée en vigueur du contrat. Donc, quand je rentre en risque, c'est souvent au moment où je signe ou au moment où toutes les conditions, souvent c'est le paiement de l'acompte qui fait office d'entrée en vigueur, et je demande à ce que la lettre de crédit soit déjà ouverte là. Comme ça, je suis sûre de pouvoir actionner le paiement, c'est-à-dire je vais aller montrer mes documents et je vais pouvoir me faire payer par la banque. Donc, de nouveau, ce risque d'annulation, il peut être important ou pas. Vous avez beaucoup de commandes et vous savez que vous allez pouvoir revendre vos équipements à quelqu'un d'autre. Le risque d'annulation est moins grave. Si vous êtes dans du spécifique, j'ai fait cette commande spécifiquement pour ce client-là. Là, oui, le risque d'annulation est important parce que s'il annule, ben, c'est pour moi. Donc, le gros avantage de la lettre de crédit, c'est que je transfère mon risque de mon acheteur vers sa banque étrangère et éventuellement même carrément sur la banque belge si je fais confirmer la lettre de crédit. D'accord? Alors, là-dessus, on va passer sur une autre catégorie de moyens dans les instruments de paiement internationaux, c'est les garanties. Alors là, on peut tout imaginer avec les garanties. Ben c'est simplement déplacer le risque, hein. Donc, au lieu d'avoir le risque sur votre acheteur, c'est demander qu'il y ait une société tierce, que ce soit sa maison mère ou une banque, là c'est le principe de la lettre de crédit, qui veut bien se porter garant. Et vous transférez simplement le risque alors sur cette société du groupe. Ça peut être intéressant dans un groupe, hein, quand on est justement sur une nouvelle société récemment créée, de dire ben, on peut prendre simplement la garantie d'une autre qui fonctionne déjà, qui fait de la production, qui a un chiffre d'affaires ou qui a du cash flow. Donc voilà. Il suffit simplement d'analyser la qualité du garant, mais aussi le lien. Hein, qu'il y a entre le garant et le garanti, c'est quand même aussi, ça pourrait jouer des mauvais tours. Et donc, ensuite, ben, on va passer à un autre instrument qui n'est pas, ensuite, qui n'est pas un instrument de paiement, mais bien une assurance, c'est l'assurance crédit. On va parler ici des assurances des exportations. C'est vrai qu'on peut assurer aussi les importations et les investissements, mais on va se concentrer vraiment sur les exportations. Donc, je suis une entreprise belge et je veux exporter à l'étranger, je veux couvrir mes exportations. Mais le gros avantage, c'est que cette assurance est prise par l'exportateur contre tous les défauts de paiement de son acheteur. On va couvrir quoi? On va couvrir à la fois ben, ce risque d'annulation du contrat, mais on peut couvrir aussi tout ce qui est risque politique. Hein, bon, il y a une catastrophe naturelle, il y a un état de guerre, il y a un printemps arabe qui passe par là et qui fait que mon acheteur veut bien payer, mais en fait, il n'y arrive pas. Et alors, tout ce qui est risque commercial, ben, c'est le risque de votre débiteur qui, lui, ne sait plus payer parce qu'il a fait faillite ou est en difficulté financière ou n'a simplement plus envie de payer. Hein. Donc, tout ça, c'est toutes les carences qu'on appelle du débiteur. Donc ça, c'est le principe de l'assurance crédit. Vous allez voir plus concrètement ce que c'est, comment vous allez pouvoir le mettre en place. D'abord, un petit mot, juste, je vous avais dit tout au début qu'il y avait la maison mère, institution publique, et puis les filiales qui sont des sociétés privées. Il y a des grandes différences entre les deux. En fait, je vais me mettre un petit peu à la place de l'exportateur. On peut couvrir soit une seule transaction, enfin, transaction par transaction. Donc, je veux, voilà, j'ai un contrat, je veux vendre ici un container d'aspirateur ou je veux vendre un camion, enfin, une seule transaction, bien, j'ai des plans, des travaux d'ingénierie, d'architecte, ça peut tout dans les travaux, dans les services avec un seul client et je signe un contrat sur une telle durée où je vais me faire payer au fur et à mesure, etc. Donc, ça, c'est une transaction. Donc, le principe de la maison mère, donc l'agence à l'exportation, c'est de faire donc ce qu'on appelle du single risk et de couvrir transaction par transaction.
Les prix, bah, c'est tout entièrement régulé par l'OCDE, donc là, on ne négocie rien. Les prix vont être vraiment fonction du risque, hein. On va voir toujours trois éléments, le pays, le client et alors les termes du paiement, la durée, est-ce qu'il y a une lettre de crédit ou pas, parce qu'on peut couvrir ça. Donc, et il faut pour ça être, il faut du contenu national. Donc, ici en Belgique, pour Credendo, bah, c'est du contenu belge, de l'intérêt belge, une histoire belge à raconter. Quand est-ce qu'on peut couvrir aussi une transaction unique? On a aussi certains acteurs privés qui le font, mais là, on est dans du très spécifique et il faut un certain appétit de marché. Il va falloir venir avec une grosse transaction. Enfin, là, je veux dire, ça existe, sachez que ça existe. Hein, Credendo a une filiale qui fait ça, mais c'est très, on est dans du spécifique, quoi. Par contre, ce qui existe beaucoup, c'est la couverture d'un ensemble de factures, ce qu'on appelle le multirisque ou une police globale. Et ça, c'est réglé par les assureurs crédits privés. Et on a trois filiales. Pourquoi trois? Parce qu'elles sont situées à trois endroits différents, en Tchéquie, en Belgique et en Russie, pour offrir le même produit qui est de cette fameuse police globale. Et on va couvrir un ensemble alors de factures. Et les conditions, ben c'est les conditions de marché là, hein, donc c'est très compétitif et donc là on peut négocier, il faut faire son marché, il faut essayer d'avoir les meilleurs prix, n'hésitez pas. Et donc vous avez en Belgique Credendo aussi qui est joueur là-dedans, mais en Belgique vous avez aussi Coface, Atradius et Euler Hermes pour leur partie privée aussi, hein, puisqu'ils ont une partie aussi publique comme d'agence à l'exportation. Donc, le gros avantage général de l'assurance crédit, ben, c'est qu'on est sûr d'être payé. Hein, c'est une assurance. Ça va permettre, ben, du point de vue du risque, ben, de bien dormir. J'aime beaucoup cette expression. Ben, ça vous permet d'oser prendre d'autres risques, hein, d'y aller. Hein. Mais ça peut aussi, si vous allez bien dormir, votre banquier aussi va bien dormir, puisque lui va pouvoir se dire, ah ben ça va, il est couvert, donc on peut faire du crédit. La qualité de l'entreprise est meilleure parce qu'elle a une couverture. Et d'un point de vue commercial, ben, vous allez pouvoir offrir justement du délai de paiement et dire, ben, au lieu de payer directement, ben, tout, bon, peut-être pas tout à l'avance, mais rapidement, vous allez pouvoir peut-être étaler un peu vos paiements. Vous êtes assuré qu'en cas de non-paiement, vous avez cet avantage. Ben, ça permet, quand vous donnez des meilleurs délais de paiement, de gagner un contrat plus facilement, d'avoir un avantage par rapport à un concurrent. Et étonnamment, alors qu'on s'assure quelque part parfois derrière le dos de son acheteur, en fait, ça permet d'établir une relation de confiance avec son client en disant, ben, voilà, je veux bien faire du business avec toi, même si vous lui dites que vous prenez une assurance, ça fait une relation de confiance. Donc voilà, ça c'était la partie que moi je voulais un petit peu brosser de manière générale. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de passer notre petite vidéo maintenant, et ensuite je passerai la parole à ma collègue Alicia qui va vous expliquer comment ça marche. Oui, on va passer la vidéo de Credendo sur cet exportateur qui va en Asie et donc je le démarre tout de suite. Merci. Georges a 100% envie de faire découvrir nos frites à toute l'Asie. Et c'est une bonne idée, car le marché asiatique est source d'opportunités. Mais attention, d'après nos analystes, un développement rapide génère un grand risque d'impayé. Croissance exponentielle, entreprises locales débutantes, mauvaise gouvernance économique, autant d'incertitudes qui peuvent déséquilibrer n'importe quelle entreprise. En analysant les acteurs locaux et en conseillant Georges, nous avons pu établir une assurance développée pour son projet et couvrir le risque de non-paiement. Credendo propose en effet des polices globales d'assurance flexibles avec des limites de crédit pour le monde entier, même dans des environnements à risque. 100 ans déjà que nous créons des liens forts entre les entrepreneurs et leur marché d'exportation. 100 ans que nous proposons des solutions sur mesure à toutes les entreprises. Credendo, turning uncertainties into opportunities. Moi, je n'entends plus Laurent. Est-ce que... Sorry, grand merci Mireille pour la présentation du fonctionnement et du commerce et du paiement
Maintenant, on va voir plus en détail les services qui sont offerts par Credendo avec Alicia, à qui je vais tout de suite passer l'écran. Voilà. Et maintenant, ça devrait être bon. L'écran est visible, mais il faudrait juste l'agrandir. Voilà. Vas-y. Du coup, je dois retourner. Non, je ne crois pas que ce soit à la maison. Voilà. Donc, bonjour à tous. En effet, moi, je vais poursuivre en vous exposant quelles sont les solutions personnalisées d'assurance commerciale. Je vais tout d'abord vous présenter cela dans les grandes lignes et j'irai ensuite un peu plus dans le détail. Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur trois solutions qui sont beaucoup utilisées par nos PME belges. J'entends l'assurance crédit, les garanties financières et le financement. Donc, ce sont en fait trois outils que Credendo offre pour les PME, pour les exportations en général. Alors, l'assurance crédit, c'est quoi? C'est couvrir des risques d'un côté, et donc on retrouve l'assurance, et de l'autre côté, eh bien, c'est donner du crédit, d'offrir du délai de paiement, comme l'a dit ma collègue. C'est donc un avantage compétitif parce que ça permet, c'est donc un avantage compétitif, c'est ce qui permet également d'oser exporter plus et donc de bien dormir. Nous avons ensuite deux solutions de financement. Ces deux solutions de financement chez Credendo s'appellent forfaitage d'un côté et garantie financière de l'autre côté. Alors, le forfaitage, c'est en fait un délai de paiement que l'exportateur offre à son client étranger. C'est une sorte de crédit fournisseur qui est offert par Credendo et donc non pas par une banque. Je vais vous expliquer après qu'on n'est jamais concurrent des banques. Et donc, voilà, c'est vraiment... également un avantage compétitif. Il n'y a pas du coup de risque pour l'exportateur, il n'y a ni de risque de non-paiement, ni de risque de résiliation, et il n'y a pas de coût non plus pour l'exportateur parce que le coût est rétrocédé à l'acheteur étranger qui bénéficie de ce crédit. Ensuite, on a la garantie financière. Eh bien, la garantie financière, c'est un petit peu un effet de levier que Credendo offre aux entreprises belges qui sont actives à l'international pour obtenir plus facilement du crédit, pour obtenir plus facilement du crédit en Belgique. Ça aide également la banque parce qu'ils partagent le risque avec Credendo qui a un rating comme l'État belge. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, aussi bien pour le forfaitage que pour la garantie financière, il n'y a pas de coût additionnel pour l'exportateur belge. Donc, l'assurance crédit, c'est donc en fait un grand parapluie que vous pouvez mettre au-dessus de votre contrat. Lorsque vous exportez, vous courez en fait toujours le risque qu'un client ne veuille pas ou ne puisse pas. J'entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, très bien, Alicia. Effectivement, il y avait des micros qui étaient ouverts. Par contre, votre caméra, elle n'est pas ouverte. Mais voilà. Non, j'ai peur que mon Wi-Fi coupe un petit peu. Ah, ok, pas de souci. Pas de souci. On vous entend bien. Il n'y a pas de coupure. C'est fluide. Okay. Voilà. Ok, parfait. Merci. Donc, je vous disais que, donc oui, en effet, lorsque vous exportez, vous courez toujours le risque qu'un client ne veuille pas ou ne puisse pas vous payer. Pour des raisons déterminées. Donc, en fait, une assurance crédit couvre ce risque et vous évite bien évidemment des difficultés financières à cause de factures impayées. Vous pouvez donc couvrir une transaction pour un pays, pour une entreprise ou pour la totalité de votre chiffre d'affaires, la totalité en fait de votre portefeuille, et ce, autant pour des risques politiques que pour les risques commerciaux. Par ailleurs, il est également possible de couvrir le risque que votre client mette fin
de manière tout à fait unilatérale à votre contrat de vente. Et en fait, ça s'appelle le risque de résiliation. Donc, c'est vraiment le risque que votre client résilie son contrat avant même que vous ayez eu l'opportunité de pouvoir livrer la marchandise. Mais dans certains cas, et dans, enfin, souvent, en fait, vous avez déjà engendré des frais pour la production de cette marchandise. Et donc, il est clairement important de se couvrir aussi pour ce risque de résiliation. Donc, je voudrais souligner, je sais que Mireille l'a déjà dit aussi, mais un point qui est vraiment important pour Credendo, c'est qu'il n'y a pas de petits, ni de moyens ou de grands contrats. Chez nous, tous les projets sont vraiment analysés de manière identique et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Je sais qu'ici, on a pas mal de PME, certainement, petits exportateurs. Eh bien, pour nous, un contrat, c'est un contrat qui fasse 50 000 euros ou 10 millions. J'imagine qu'un contrat de 50 000 euros pour une petite PME est un contrat aussi important qu'un contrat de 10 millions pour une grosse société. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons souligner. Alors, bien entendu, dans l'assurance crédit, il y a plusieurs solutions. Il y a d'une part la police globale, l'assurance affaires au comptant et ensuite l'assurance des garanties bancaires. On va commencer par la police globale. En fait, la police globale, c'est de l'assurance crédit à court terme qui couvre la totalité de votre portefeuille, la totalité de votre chiffre d'affaires. C'est en fait les missions de police d'assurance qui sont flexibles avec des limites de crédit approuvées par clients étrangers et donc tout ça pour des périodes de risque de moins de 2 ans. Donc en fait, pour faire simple, par exemple, on va prendre des exemples belgo-belge. Vous exportez de la bière ou du chocolat. Vous devez, par exemple, exporter un conteneur en France, un autre au Sénégal, un autre au Japon. Eh bien, vous allez avoir, si vous couvrez avec une police globale, une limite de crédit par débiteur étranger. Et donc, Credendo va vous informer que, par exemple, on vous couvrira de 17 000 euros pour votre client au Sénégal, 50 000 euros pour votre client en France, 55 pour votre client au Japon. Et donc, en fait, vraiment, vous allez avoir une limite de crédit par débiteur. Donc, c'est les avantages sont clairement que vous êtes certain que vos créances seront payées. Les banques vous octroient plus facilement du financement parce qu'ils savent que vous serez vous-même payé et en tout cas, vous êtes assuré sur ce risque de non-paiement ou ce risque de résiliation. Et c'est une pratique qui est accessible et facile. Ensuite, on a l'assurance affaires au comptant. Alors, c'est un terme qui peut paraître un petit peu bizarre et compliqué, mais c'est vraiment le terme que vous allez retrouver sur notre site internet. Donc voilà, c'est donc de l'assurance crédit pour des transactions à l'exportation et ici pour une durée qui est supérieure ou égale à 2 ans. Ce sont des contrats où les paiements en fait sont scindés en plusieurs paiements. Il y aura donc des étapes de paiement au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les affaires au comptant concernent en fait principalement l'exportation de biens d'équipement, des travaux d'entreprise, des projets industriels ou même des prestations d'engineering. En fait, dans le cadre d'une affaire au comptant, l'exportateur est vraiment exposé au risque que l'acheteur n'honore pas son obligation de paiement. Et donc, ça, c'est en fait le risque de non-paiement. Et aussi, de nouveau, on retrouve que le contrat d'exportation soit résilié. Et donc, on retrouve ce risque de résiliation. Donc, voilà. Pour les bénéfices, ben encore une fois, l'exportateur a la certitude d'être payé et les paiements peuvent être scindés tout au long de l'exécution du contrat. Ça, c'est clairement un avantage pour l'acheteur étranger. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran toujours. J'ai des caméras qui se sont mises. Oui, on voit l'écran impeccablement. J'avais juste une question. Voilà. Oui. Concernant la couverture de l'ensemble du portefeuille des créances, c'est quelque chose qu'on doit
On doit négocier cette couverture avant l'année. Quand on a des nouveaux clients, par exemple, ils viennent s'intégrer dans cette garantie et vous leur donnez un seuil à chaque fois aussi, quand on gagne des nouveaux clients. Donc, la police globale se retrouve au niveau de notre filiale Credendo STN. Donc, comme disait tout à l'heure Mireille, c'est au niveau du marché privé. Et en effet, lorsque vous avez un nouveau client, nous allons étudier les chiffres, la solvabilité de ce client. Il faut aussi nous donner le chiffre d'affaires que vous allez faire avec, que l'entreprise va faire avec ce client. Et de cette Oui. manière-là, on pourra déterminer une limite de crédit pour ce nouveau client, en fait. OK, parfait, merci. Pas de souci. Et donc voilà, j'ai mis également des petits schémas qui sont en fait des petits exemples. Toujours pour l'affaire spéciale au comptant, on a ici par exemple une entreprise algérienne qui commande des travaux d'engineering à une entreprise belge et qu'elle payera sur base des prestations réalisées. Et ensuite, on a de l'autre côté cette entreprise belge qui souhaite en fait couvrir ses risques liés à l'exportation. Elle veut se faire payer au fur et à mesure de ses prestations et elle fait donc appel à Credendo. C'est pour un contrat, ici on a pris un exemple d'1,5 million. Et donc Credendo va assurer l'exportateur contre le risque de non-paiement d'un côté et le risque de résiliation de contrat par l'acheteur d'autre côté. Alors, mon PowerPoint défile difficilement. Ensuite, on a l'assurance des garanties bancaires. En fait, Credendo propose à l'exportateur une protection contre le risque d'appel à la garantie bancaire qui est mise souvent dans le cadre d'un contrat à l'exportation. Parce que c'est clair que souvent, dans ces contrats d'exportation, justement, l'exportateur est amené à devoir constituer des garanties bancaires en faveur de l'acheteur étranger. Le souci, c'est que ces garanties sont parfois appelables à première demande. Et donc, ce qui signifie que l'acheteur peut appeler les garanties sans devoir apporter la preuve d'un manquement de l'exportateur. Et ça peut clairement poser préjudice à cet exportateur belge qui peut voir ses comptes débités de ces montants-là. Alors, il y a différentes garanties qui peuvent. Oui, ces garanties peuvent en fait prendre la forme de garantie de restitution d'un compte, garantie de bonne fin ou garantie d'adjudication. Donc voilà, l'exportateur belge est protégé contre ces risques qui ne dépendent pas en fait de ses obligations contractuelles, mais plutôt de la mauvaise foi dans ces cas-là. De son acheteur étranger. Et les garanties contractuelles sont des garanties accessoires directement liées au contrat d'exportation. Alors, pour le financement, parce que c'est clair qu'on aime faire du business, on aime protéger ce business, mais quand on peut recevoir du financement de manière facile, eh bien, c'est toujours mieux. Donc ici, on a le forfaiting. Le forfaiting, en fait, eh bien, c'est à la fois de l'assurance et à la fois du financement. Chez Credendo, on appelle ça techniquement du refinancement de crédit fournisseur. Mais en fait, pour être clair, c'est quand vous avez un contrat d'exportation avec un client et que vous voulez lui donner, lui offrir du délai de paiement. Dans certains cas, il peut vous dire, OK, je veux bien ce délai de paiement, mais moi, j'ai au moins besoin de 2 ans pour vous rembourser. L'entreprise belge n'est pas toujours capable de jouer la banque, et donc elle va faire appel à Credendo. C'est Credendo, en fait, qui va escompter les effets de commerce, et c'est Credendo qui va jouer la banque dans ces cas-là bien précis. Alors, cette solution est une solution donc pour des montants qui varient entre 50 000 euros et 8 millions. Donc, c'est vraiment que ce soit des petits contrats ou des contrats beaucoup plus importants. Et donc, comme je vous le disais, pour des délais de paiement qui peuvent aller de 2 à 5 ans. Bien entendu, c'est pour
des biens qui sont plus des biens d'équipement et non des biens de consommation, parce que, comme je vous ai expliqué, pour les biens de consommation, on pourra offrir un délai de paiement de 30 jours, 60 jours, 120 jours par l'entreprise belge, et elle se fera assurée par Credendo ou un autre assureur crédit, mais en aucun cas on peut accorder un délai de paiement de 2 ans pour l'exportation de conteneurs de bière, par exemple. C'est vraiment, on a vraiment l'obligation que ce soit des biens d'équipement. Alors, l'exportateur, oui? Oui, donc dans ce cas-ci, c'est Credendo qui prend le risque sur le client étranger de l'exportateur belge. Tout à fait. Oui, donc si jamais il y avait un non-paiement, l'entreprise qui a contracté avec l'exportateur, dans le cadre du forfaitage, n'est pas pénalisée, entre guillemets. C'est Credendo qui a cette difficulté de recouvrer cette créance. Oui, tout à fait. Donc, c'est Credendo qui va racheter les effets de commerce, qui va escompter ça. Nous, on va en fait être payé par le client étranger de manière trimestrielle ou semestrielle. Et s'il ne nous paye pas, eh bien, c'est en effet nous qui allons essayer de récupérer le montant. Mais l'entreprise belge est payée à la livraison. Donc, à partir du moment où l'entreprise belge a fini de la construction d'une unité de production de gaufres, par exemple, elle exporte son unité de production, on va dire en Tunisie, et il s'avère que, après 3 échéances, on n'est plus payé, eh bien, c'est Credendo qui va essayer de récupérer ça. Alors que l'exportateur, lui, aura bien été payé par Credendo à la livraison. Alors, il y a toujours un acompte de 15% qui doit être payé par le client étranger, et le crédit porte en fait sur les 85% restants. D'accord. OK. C'est également, comme les autres produits, un avantage concurrentiel, parce que c'est un peu comme quand vous allez acheter une nouvelle voiture, vous allez chez votre concessionnaire et vous achetez votre voiture et vous recevez le financement en plus. Ici, c'est ce que Credendo fait. Donc, on a une entreprise qui produit des biens d'équipement, qui vend à l'étranger. Son client belge souhaite un délai de paiement. Son client étranger souhaite un délai de paiement. L'entreprise belge, elle, ne veut pas jouer la banque, donc elle vient toquer en fait à la porte de Credendo, qui va analyser les chiffres, bien entendu, du client étranger. On va accorder ce délai de paiement donc pour une période de 2 à 5 ans, et donc l'entreprise belge aura aussi bien fourni sa marchandise, ses machines, et en plus de ça, elle aura fourni le financement à son client étranger. Donc, voilà. Donc, ici, on retrouve un exemple. Ici, on a pris l'exemple d'un acheteur turc qui souhaite acheter une machine auprès d'une entreprise belge pour une valeur de 300 000 euros. Et le constructeur de machines belge veut bien accorder un délai de paiement à l'acheteur, mais ne souhaite pas financer lui-même, donc il fait appel à Credendo, et c'est Credendo qui couvre l'exportateur contre la résiliation, parce que jusqu'au moment où il n'a pas livré, eh bien, il est toujours susceptible d'avoir une résiliation du contrat par son acheteur étranger. Donc il est d'une part couvert pour la résiliation et d'autre part pour le non-paiement, qui en fait après sera inexistant puisque c'est Credendo qui le paye à la livraison. Donc voilà. Nous avons ensuite le troisième outil de Credendo qui est la garantie financière. C'est un outil en fait qui permet à l'exportateur belge d'obtenir plus facilement du crédit, plus facilement en fait du financement auprès de sa banque. Comment ? Parce qu'en fait, Credendo va octroyer sa garantie à hauteur de maximum 50%.
ce qui est en quelque sorte en fait un effet de levier qui va permettre à votre banque de vous octroyer un crédit, parfois de manière facile, mais parfois aussi de manière plus importante. C'est-à-dire que dans certains cas, vous êtes une entreprise belge, vous êtes actif à l'international, vous êtes en pleine croissance et vous avez un besoin d'un financement, d'un crédit pour financer cette croissance de 50 000 euros, par exemple. Eh bien, si votre banque vous l'accorde facilement, tant mieux. Mais si elle ne vous l'accorde pas facilement, eh bien, vous pouvez venir chez Credendo et Credendo pourra, après analyse, bien sûr, vous garantir à la banque 50% du montant demandé. Et donc, dans certains cas, ça facilite l'accès au crédit et dans d'autres cas, ça peut carrément augmenter le montant parce que votre banque voulait bien, par exemple, vous octroyer 50 000 euros, mais vous avez besoin de 100 000. Donc, dans ces cas-là, vous arrivez à avoir les 100 000 euros. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que Credendo, que ce soit aussi bien pour le forfaiting que pour les garanties financières, on n'est jamais concurrent. Par exemple, pour le forfaiting, je refais un petit pas en arrière, mais en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, pour les crédits, pour les garanties, pardon, je suis en train de me perdre. Mais donc, en fait, dans certains cas, les banques ne sont pas prêtes pour des trop petits montants à vous octroyer des crédits. Et donc, c'est comme ça que Credendo a créé cette solution, cet outil de forfaitage. Et il en est de même pour les garanties financières. Si vous pouvez l'avoir de manière facile auprès de votre banque, nous en sommes tout à fait ravis. Et sinon, il ne faut pas hésiter à venir chez Credendo et on vous aidera pour ça. Donc, voilà. Nous avons de nouveau un exemple. Et donc, pour terminer, je vous invite vraiment à télécharger l'application gratuite de Credendo qui peut vous permettre en un coup d'œil d'avoir une estimation du risque sur tous les pays, qui donne également les paramètres de risque importants et qui vous envoie des analyses, qui vous envoie des articles de fond, aussi bien sur des secteurs que sur des pays. Et donc, je vous invite sincèrement à la télécharger. Vous avez aussi une newsletter qui est très intéressante et qui donne comme ça l'évolution des ratings des sociétés à des pays à intervalles réguliers et qui est très visuel et très simple à comprendre très rapidement. J'ai une question concernant des projets d'architecture pour lesquels on demande des cautions, du cautionnement à l'étranger. Ces cautions à l'étranger, vous avez parlé de garanties financières. Ces cautions pour des chantiers, c'est aussi quelque chose qui fait partie des garanties financières que vous pouvez couvrir en complément d'une banque ? Alors là, je pense que vous parlez peut-être plus de garanties bancaires que de garanties financières, parce que la garantie financière, c'est vraiment l'effet de levier que Credendo va offrir à la banque pour avoir accès à un crédit. Donc on va en fait, d'accord, la garantie financière, c'est une garantie que Credendo peut émettre jusqu'à 50% du montant demandé et donc pour faciliter l'accès au crédit. Ici, c'est peut-être plus des garanties bancaires, donc garanties de restitution d'acompte. Garantie de bonne fin qui devrait être mise à l'étranger. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez financer aussi, ces garanties qui sont mises à l'étranger pour… Ah oui, tout à fait. Alors, les raisons pour nos garanties financières sont justement soit les besoins en fonds de roulement, soit l'émission de garanties bancaires, soit la croissance et un investissement à l'étranger, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Mireille, je vais vous libérer votre micro. Ou il faut libérer votre micro vous-même. Voilà, vous êtes bon là.
Ça va, merci. Mais c'est une excellente question, hein, les garanties. C'est vraiment une question d'examen en soi, hein, parce qu'avec ce qu'on appelle les garanties bancaires, on peut faire plein de choses différentes chez Credendo. Donc, la garantie bancaire, vous devez la demander. Donc, c'est un petit peu la contrepartie que votre exportateur veut avoir. Vous lui demandez de payer des acomptes, il doit mettre de l'argent dans le vide, et ben, il va dire en contrepartie, d'accord, mais vous allez mettre une garantie de restitution d'acompte. Parce que si vous livrez rien, vous pensez bien, il a aussi envie d'avoir, lui, du confort. Et donc, ces garanties que l'on doit émettre, les bonnes, hein, alors ces garanties de restitution d'acompte, de bonne fin, de performance, peu importe, c'est un risque que vous prenez auprès de votre banque. Alors, un, qu'est-ce qui peut arriver? D'abord, un, il faut pouvoir les mettre. Donc, pour ça, vous devez demander à votre banquier du crédit, parce qu'il le considère comme un crédit. C'est pas un, on appelle ça du crédit papier. Il va pas vous donner du cash, mais du papier, il va s'engager à payer s'il y a appel. Effectivement, elles sont souvent appelables à première demande. Et donc, si l'acheteur dit, il éternue et il dit, je la veux, eh ben, il va prendre l'argent sur votre compte et il va payer. Donc, c'est un crédit. Alors, si un, vous avez du mal à obtenir ce crédit, qu'est-ce que Credendo peut faire? Ben, c'est donner cette garantie financière pour pouvoir obtenir votre crédit. Et donc, on est cette sorte de sûreté, hein, enfin, la garantie qui va permettre d'obtenir le crédit plus facilement. Donc ça, c'est la garantie financière. Dans le cas du contrat, si vous couvrez votre contrat à l'exportation et que vous avez dû émettre aussi des garanties bancaires, on conseille toujours de les couvrir aussi. Pourquoi? Parce qu'un client qui ne paye pas, il fait aussi appel aux garanties. Donc, vous courez deux risques, celui qui ne vous paye pas les factures, mais aussi qui fasse appel aux garanties que vous avez émises. Et donc, on peut la couvrir. Et donc, c'est ce que Alicia a expliqué comme produit d'assurance crédit. On va couvrir ça comme un risque accessoire au contrat, qui est uniquement la couverture de l'appel arbitraire. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas livré votre marchandise et qu'on fait appel à la garantie de restitution d'acompte, j'ai envie de dire, il a raison, hein, votre acheteur, de faire appel. Et donc là, on va rien pouvoir faire. Mais par contre, s'il fait appel de manière arbitraire, eh bien là, effectivement, c'est un défaut de votre acheteur. Donc, comme le non-paiement, on va vous couvrir. Moi, j'ai toujours chacun fait à sa part de travail. Vous devez exporter, vous devez performer là-dedans. On ne sait pas le faire pour vous. Mais tout ce qui est risque de votre acheteur, là oui, effectivement, on peut pallier. Donc là, on était. Donc j'avais dit, l'émission peut vous aider avec la garantie auprès de votre banquier pour l'obtenir. On peut la couvrir. Et le troisième, Alicia, il n'y a pas trois choses qu'on sait faire avec les garanties? Oui, on peut les émettre nous-mêmes. On a une filiale qui peut les émettre. On n'en a pas parlé ici parce que c'est plus spécifique, mais une de nos filiales aujourd'hui à Bruxelles peut faire l'émission à la place des banques. On est un petit peu concurrent des banques dans ce cas-là. Là, c'est vraiment le seul cas, mais c'est quand même intéressant parce que c'est une alternative. Si vraiment vous n'avez pas de solution auprès de votre banque, attention. Si il est bien mis dans votre contrat que vous devez émettre une garantie bancaire, c'est-à-dire émise par une banque de premier ordre, c'est souvent ça qu'ils disent, eh bien, nous, on n'est pas une banque. Donc ça ne va pas aller. Mais si on vous demande une garantie qui peut ne pas être émise par une banque, oui, là, on peut effectivement faire la même chose que la banque. C'est une manière, si vous n'obtenez pas du crédit là, d'obtenir cette forme de crédit chez nous. C'est la période des examens, donc il fallait une question d'examen, quoi. Voilà, c'était le but. Hein. Et pendant les examens, dans ma famille, on m'a même mis à la cave. Donc, c'est dire si je suis confronté à cette période et que je la vis. Je vous remercie en tout cas pour cette brillante présentation qui clôture tout notre cycle d'Export Talks pour cette première moitié de l'année. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et on se reverra en tout cas dans le cadre des Export Talks en 7 ans. Grand merci à vous. D'accord. Et j'ai compris que vous étiez aussi les portes d'entrée vers Credendo. Et donc, il y a pas mal de produits, il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal de moyens de c'est des produits assez modulables. Et donc, un contact avec vous est sans doute très utile pour les entreprises qui n'ont pas encore pratiqué les assurances et les garanties et qui se développent à l'international.
Oui, c'est ça. N'hésitez pas à venir, venir raconter votre histoire. Hein. Donc, dire voilà, quel est votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Avant de prendre tous ces risques, ben oui, n'hésitez pas à venir nous les présenter. On peut vous guider et voir quels sont les meilleurs outils qui vont vous aider effectivement dans cette aventure de l'exportation. Credendo, c'est comme l'avocat, c'est des personnes à contacter avant. Voilà. De préférence. On peut intervenir dans des contrats qui n'ont pas été couverts, mais là, attention, si c'est des petits contrats, ça sera plus difficile. Ok, grand merci à vous et merci. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.